Elle aurait aimé qu'il reste dans l'aventure. Pourtant, Zazie a été très déçue et touchée quand elle a dû faire face au départ d'un de ses talents. En effet, interrogée par Télé 7 jours sur les étapes de la saison 12 de The Voice, la coach a fait part de sa frustration. Dans les colonnes du magazine, elle a notamment avoué ne pas avoir compris le choix du public lors des battles. J'ai toujours détesté les battles, où le coach doit choisir qui reste. Lors des cross battles, si y est-il le public qui décide. Ça peut paraître plus facile mais on se surprend à avoir des réactions enfantines du genre « c'est pas juste », a-t-elle d'abord expliqué. Puis, la chanteuse phare du programme de TF1 a avoué avoir eu du mal à digérer le départ de Max Novik, l'un de ses talents. Je n'ai pas compris le choix du public. J'ai pris son verdict en plein cœur. Mais je sais qu'on va bientôt entendre parler de cet incroyable artiste. Il travaille déjà sur ses chansons, a ajouté Zazie. Pour rappel, si est face à David Dax, le talent d'Amel Bent que Max Novik a perdu sa battle. Ça a été très serré, le plus serré depuis le début, a confié Nikos Aliagas le soir de l'émission, le 6 mai 2023. En larmes, Zazie a accusé le coup. Je suis démontée là en fait, lui a-t-elle confié tout en le prenant dans ses bras. Et de lui promettre avant son départ définitif de la compétition, on va aller sortir ses chansons, je ne te lâche pas. Zazie, pourquoi elle est souvent émue dans The Voice dans cette saison 12 de The Voice, Zazie se laisse particulièrement aller côté émotion. De retour dans le télécrochet après 5 ans d'absence, la coach se sent plus proche que jamais de ses émotions. Dans ce programme, on filme ce qu'il se passe, on ne cherche pas à fabriquer. Il n'y a pas de calcul. En tant que coach, on ne voit pas les caméras, on oublie leur présence et on lâche le contrôle qu'on a d'habitude à la télé. La plupart du temps, j'essaie de garder une distance. Mais quand les émotions forment un embouteillage, elles sortent. On revient naturellement à ce que l'on est. Et moi, je suis HP, au potentiel émotionnel, note de la rédaction. A conclu Zazie.